C'était le dimanche 20 mars 1983, il y a 4 décennies. Je me tenais devant l'imposante pyramide de El Castillo à Chichen Itza, au Yucatan, me demandant pourquoi mes contacts extraterrestres m'y avaient envoyé. Le souvenir de l'œuvre du romancier britannique D.H. Lawrence, Le Serpent à Plumes, traversa mes pensées. Symbole de connexion entre la terre et le ciel, et l'écrivain évoquait dans son ouvrage les rituels anciens et les sacrifices qui lui étaient dédiés. Chichen Itza, dans le Yucatan au Mexique, est l'un des sites archéologiques mayas les plus célèbres au monde. Pyramide à 9 degrés, elle est considérée comme l'une des 7 merveilles du monde. J'étais seule sur cette immense zone vide devant la pyramide. Quelques personnes commençaient à arriver, toutes habillées de blanc, les hommes surtout, avec une large ceinture rouge. Ils jouaient de la flûte et du tambour, parlaient entre eux, joyeux, tous avec une retenue cérémonieuse. Une heure auparavant, j'avais gravi les 91 marches qui menaient au temple sacrificiel, tout en haut de la pyramide, et j'avais été surprise par mes découvertes. Depuis la plateforme, j'entendais les gens parler en contrebas, comme s'ils me chuchotaient quelque chose à l'oreille. Et en regardant à travers une étroite ouverture dans la pierre, je pouvais voir un autre temple en parfait alignement, des kilomètres plus loin. Sur la plateforme même, il y avait un autel. Et au moment où je m'en approchais, je commençais à visualiser des prêtres en robe blanche avec de larges ceintures rouges qui gravissaient les marches lentement, emportant des offrandes sur un plateau. C'étaient les cœurs encore palpitants d'où jaillissait le sang de jeunes hommes et jeunes femmes auxquels on les avait arrachés, encore vivants. Je ne connaissais rien de l'histoire maya ou toltèque et c'était la première fois où j'étais confrontée à l'idée de sacrifice humain. Devant l'imposante pyramide à 9 degrés, je pris conscience de l'exactitude et de l'importance de l'astronomie maya. Chacun des 4 côtés du temple comporte 91 marches et la plateforme supérieure constitue la 365e, comme les 365 jours du calendrier solaire. La foule commençait à s'agglomérer et tout le monde prenait place en cercle autour de la pyramide face à l'escalier nord. Comme je n'avais aucune idée de ce qui se passait, je me suis assise avec eux. À un moment précis, en fin d'après-midi, alors que le soleil se couchait,